3, 2, 1, top. Un essai au banc consiste à accueillir un propulseur à poudre ou un booster nouvellement conçu et on le teste dans ce bâtiment derrière de manière à le qualifier avant son utilisation en vol sur un vrai lanceur. On reçoit un booster ou un propulseur à poudre qui est criblé de centaines de capteurs, environ 600 capteurs. On l'accueille dans le bâtiment, on le place mécaniquement et on le connecte à un système d'acquisition et on va procéder à la mise à feu de ce spécimen. On appelle le spécimen le booster que l'on accueille. Une fois la mise à feu effectuée, il y a une combustion qui dure environ 2 minutes 20. S'ensuit une phase de refroidissement pour éviter que le propulseur soit totalement carbonisé après tir. Le but est de récolter des mesures, mais c'est également d'inspecter l'ensemble des constituants de ce booster, la tuyère, la jupe arrière, le corps central, etc. Ces 600 mesures sont constituées de plusieurs capteurs qui vont nous permettre de vérifier que la poussée du booster est conforme à l'attendu et que lorsqu'il lui sera utilisé sur un vrai lanceur, on aura la poussée adéquate. Il y a également tout un tas d'autres critères, comme le pilotage de la tuyère qui est effectué pendant l'essai à feu. On vérifie que c'est conforme à ce que l'on a voulu faire. Et puis, il y a tout un tas d'autres capteurs, comme des jauges de déformation, pour vérifier les efforts sur les différentes pièces constitutives du propulseur, des accéléromètres, des mesures de déplacement et de déformation. Donc cet ensemble de mesures et leur exploitation vont nous permettre de prononcer la qualification de ce nouveau booster avant utilisation en campagne de lancement et en lancement. Contrairement aux idées reçues, le booster décolle bien lors d'un essai au banc. Il décolle d'environ 77 mm, mais il est retenu au moyen d'un dispositif de mesure de poussée, dont le rôle est de mesurer la poussée du booster à l'allumage et de peser le booster une fois l'ensemble du propergol a été consumé à la fin de l'essai. Alors ce dispositif de mesure de poussée, il est composé de deux éléments, la partie orange qu'on voit derrière moi, qui est la console, qui pèse 20 tonnes, et le dispositif de mesure de poussée en lui-même, la partie jaune, qui est sur lequel est monté plusieurs capteurs, pèse également 20 tonnes. Alors lorsqu'on a mesuré à la fin de l'essai la distance entre la couronne de la palette sur laquelle est posé le booster et puis la hauteur du booster après l'allumage, on s'est rendu compte que la hauteur était de 65 mm. Cette différence entre la course du booster et la distance entre la palette et le bas du booster, c'est finalement expliqué par la dilatation du booster lors de sa combustion. Les dispositifs mis en place pour la protection de l'environnement et des personnes pour un essai à feu au BAP, ça reste assez similaire que pour un lancement. Donc déjà, on évacue la zone qui est potentiellement impactée et on s'assure qu'avec un secteur de vent bien défini, les communes de Sinnamary et de Kourou et le CSG ne soient pas impactées. On s'assure également qu'il n'y ait pas de pluie sur le nuage de combustion pour éviter le SIV. La deuxième partie, c'est donc la surveillance de la qualité de l'air qui est mise spécifiquement en place pour les essais à feu au BAP. C'est une partie du PME, donc du plan de mesure environnement. Donc il y a des mesures de qualité de l'air et de concentration d'alumine au sol. Et en deuxième partie, donc ça c'est global sur tout le CSG et c'est aussi, ça prend en compte les lancements. Donc c'est l'étude de la faune, de la flore, y compris jusque donc, dans les cours d'eau, donc pour s'assurer de l'impact, que l'impact du CSG soit minime et dans le respect des tolérances des arrêtés préfectoraux. Donc tous ces points donc, sont, un, le PME est disponible sur le site internet du CNES, donc vous pouvez aller le vérifier, et aussi tout ça est envoyé à la préfecture pour qu'ils vérifient que nous sommes bien dans les normes applicables.